Dans le temps, ils partaient sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Ils s'en allaient, le cœur léger, ils s'enivraient d'aventure. Dans le temps, ils chantaient sur la mer, voile au vent, ils vivaient les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, ils n'avaient que la mer, les corsaires. Et un corsaire. Oui, certainement. Mais dites pourquoi. Le pirate est un véritable hors-la-loi. Et le corsaire? Le corsaire, non, c'est tout différent. Il a une commission régulière de son roi pour attaquer les vaisseaux ennemis. Enfin, si vous voulez, c'est un soldat sans uniforme. Et comme il n'agit qu'en temps de guerre, vous voyez, nous n'avons pas la moindre chance d'en rencontrer. Mais restent les pirates. Oh, les pirates. Ils sont très rares, les pirates. Qui voulez-vous qui prenne les risques d'un métier pareil? Des hommes de premier ordre. En un sens. Je les ai vus à l'abordage. On dirait que je suis de la partie, d'accord. Mais franchement, c'était pour avoir. Et je me suis bien diverti. Ce n'est pas possible, vous avez juré d'affoler nos hôtes. Regardez Monsieur Cailleret, il est blême. Il y a des assassins partout. Et que voulez-vous dire? Ça. Ah! Vous pensez à l'équipage, oui. Oui, c'est vrai, le milieu est un peu mélangé. Mais rassurez-vous, la discipline est là pour tenir au frais les têtes chaudes. Malgré tous ces périls, vous arriverez à Fort-de-France et très vite. Mais je ne vous demande rien. Lâche cette main. Lâche cette main, te dis, j'ai découverte de sang. Père. Mais quoi, père? Tu le sais aussi bien que moi. C'est lui-même qui t'a avoué son crime. Retirez ce mot-là. Je ne retire rien du tout. Et si vous voulez me suivre sur le pont, je suis à vos ordres. Messieurs, ne craignez rien, monsieur. Je n'ai pas l'intention de me battre. Vous êtes donc si lâche? Je n'ai pas non plus à relever ce genre d'insultes. Je sais trop bien pourquoi vous les lancez. Ne m'obligez pas à dire la vérité. C'est le soi-disant Floquet qui prétend dire la vérité. Le soi-disant Floquet s'appelle en effet Nicolas de Courcic. Mais il est certain également que vous cherchez à l'assassiner. Joël! Je suis désolé, Sylvie. C'est une accusation très grave. Je peux la prouver. Avec un fou, sans doute. Qui vous croira, vous, Nicolas de Courcic, évadé de prison, meurtrier de votre ami Alain Lequelec? C'était un accident. Allons, monsieur, finissons-en. Non, non. Vous allez me suivre tous les deux. Un moment. Moi aussi, capitaine, si vous permettez, j'ai besoin d'une explication. Pouvez-vous me laisser seul un instant avec mon père? Ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci. Je vous écoute. C'est une affaire qui ne te regarde pas. Maintenant, elle me regarde. Qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Mais tout! Floquet de Courcic, c'est le même homme. C'est lui qui a tué Alain. Et le roi l'a gracié. Alors? Alors? Alors, monsieur Lequelec n'a pas pu supporter cette idée. Mais qui lui donnerait tort? Il était impossible que le meurtrier de son fils en soit quitte avec quelques jours de prison. Alors il m'a chargé de porter une lettre à son cousin Loïc. Le projet était de l'arrêter dès son arrivée à Fort-de-France. Et après... On le faisait disparaître sous n'importe quel prétexte? Tentative d'évasion? Maladie? La justice aurait passé. En malheur, ce Libournais a tout découvert. Et c'est pour ça que vous provoquez Joël? Enfin, Nicolas.
Oui. Je ne sais plus que faire. Je suis un homme perdu. Par ma faute, Alain ne sera pas vengé. C'est impossible. Je ne peux pas me représenter comme ça devant son père. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. Je vous reconnais bien là. Pour vous, les Kellec sont des dieux. Vous feriez tout pour leur faire plaisir. Toi aussi, j'espère. Oh non, certainement pas. Je t'interdis! Si. Notre famille les sert depuis des siècles. Nous leur devons tout. Toi-même, si tu es élevée comme une fille de qualité dans un couvent, c'est grâce à eux. Mais est-ce une raison pour épouser toutes leurs querelles? Que savez-vous si Nicolas est coupable? Vous étiez présent la nuit du drame? J'en sais ce que m'a dit monsieur le Kellec. Les Kellec! Les Kellec! Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les Kellec! Mais on dirait qu'il n'y a que ça au monde. J'en ai assez des Kellec! Depuis toujours, nos yeux s'ouvrent sur la splendeur, sur la richesse, sur la gloire des Kellec! Et voilà finalement ce que ça a fait de vous. Un laquais ébloui! Vous êtes un homme de la vieille école, mon père. Vous aimez vous mettre jusqu'au fanatisme. Peut-être très bien. Mais n'attendez pas que j'aille aussi loin. Et pourquoi? Parce qu'il y a autre chose pour moi que les Kellec. Les deux Corsic, peut-être. Oh, soyez raisonnable. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Restez-en là. Un serment est un serment. Je tiendrai le mien à coûte que coûte. Alors vous aurez un adversaire de plus. Toi? Oui, moi. Je regrette mon père. Mais innocent ou coupable, je l'aime. C'est intelligent de refuser ce duel. Que voulais-tu que je fasse? Tuer le père de Sylvie? Pourquoi pas? Maintenant qu'Aïré n'a plus qu'une solution. Me tirer dans le dos? Quelque chose comme ça, oui. Non, il n'est pas homme à faire ça. Tu te trompes, Nicolas. Il ira jusqu'au bout. Monsieur de Corsic. Je suis inquiet. Ce n'est peut-être qu'un pressentiment, mais ce bateau que nous avons pris en remorque me préoccupe. Il s'est produit quelque chose de nouveau? Apparemment, non. Si quelque événement se produisait, puis-je compter sur vous? Naturellement. Alors votre querelle avec Kairé est oubliée, du moins pour le moment. S'il est d'accord. Il est d'accord. Dans ce cas, aucune difficulté. Merci. J'aurai besoin de tout mon monde. Comment nous suit-il? Il a dû s'approcher cette nuit, tout fait éteint. Avec un bateau à remorque, il serait bien facile de manœuvrer. Justement. C'est là le piège. Thank you.
Et... Et maintenant, causons. Tu vois ces trois hommes. Pour un seul d'entre eux, je t'aurais fait couper en morceaux. Mais pour les trois, tu auras la vie sauve. À une seule condition. Que tu t'offres à nous guider. Comment? Eh bien voilà, tu nous serviras de pilote. Le nôtre a été tué et pour nous diriger, on a besoin de toi. Je ne suis pas marin. Ce n'est pas ce que dit ton matelot. Quel matelot? Celui-là. Traître! T'as qu'à trahir aussi? Comme ça, on sera du même côté? Tu as pu faire ça. Pourquoi tu crois que je suis venu aux îles? Alors, tu la donnes, ta réponse? Va. Oh, excuse-moi, je croyais avoir entendu non. Non! Eh bien, c'est parfait. Va. Non! Attention, je vais me mettre en colère. Et si je me mets en colère, je cogne fort. Je cogne fort. Je cogne fort. Vous êtes fiers de vous. Regardez dans quel état vous êtes. Ce sang, ces coups. Vous n'êtes qu'une brute. Une brute? Oui, une brute. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je ne pouvais pas accepter. Mais pourquoi? Il ne s'agit que de gagner du temps. Nous aurions bien trouvé le moyen de nous enfuir. Vous êtes trop naïf. Attendez. Nous enfuir. Avec une trentaine d'hommes pour nous surveiller. Je vais peut-être vous étonner. Mais moi, je veux vivre. Comment? Si vous n'acceptez pas de les aider, ils nous tueront tous les deux. Pourquoi croyez-vous qu'ils m'aient épargné? Pour me convaincre. Oui, pour vous convaincre. Ils m'ont donné 5 minutes. Semblant au moins quelques jours. Et demain, si j'accepte, ils seront à Carthagène. Eh bien, ils feront comme nous, les gens de Carthagène, ils se défendront. Non, c'est lui. On ne peut pas faire ça. Même pour sauver nos misérables vies. Mais parlez pour la vôtre. Et même pour te vous dire, je trouve qu'elle n'est jamais misérable, la vie. Elle me paraît merveilleuse, au contraire. Surtout quand on est sur le point de la perdre. Je suis officier. Vos serments, maintenant. Décidément, vous ne m'aurez rien épargné. Moi, je vous ai tout sacrifié. J'étais prête à renier mon père. Et maintenant qu'il est mort, je suis prête à l'oublier. Votre père est mort. Oui. Lui aussi, il a voulu défendre quelque chose. Et il en est mort. Enfin, s'il y réfléchissait. Si tout le monde prenait le parti de la lâcheté, il n'y aurait plus rien de possible. Et moi, je vous dis que je veux vivre. Vivre, vous m'entendez? Vivre, vivre, vivre! Sylvie... Oh, vous me rendez folle! Vous êtes là à raisonner. Vous ne savez non pas ce que c'est qu'un être vivant. Vous n'en avez jamais tenu un dans vos bras. Eh bien, prenez-en une bonne fois. Touchez-le. Regardez-le. Respirez-le. Et dites-moi. Dites-moi s'il n'y a rien de mieux à en faire qu'à le tuer. Oh, Nicolas, aidez-moi, je vous en supplie. Jetez-le-moi sur la sanguinaire.
qu'il y crève à son aise. Par à virer! Il y a quelqu'un ? Faut bien mourir un jour, pas vrai ? Alors autant mourir comme des seigneurs. Qu'est-ce que je te sers ? Porto ou Malvoisie ? Que s'est-il passé ? Porto ou Malvoisie ? Où sont les autres ? Ben, tout est là. Rien n'a tiré de cet ivrogne. Les deux. Bon, d'accord. Les deux. Les deux. Tiens. Mais fiche-moi la paix, t'es sous comme une bourrique. Possible. Mais faut pas le dire sur ce ton. Parce que moi, je vais te dire, hein. Tout ce que je suis, c'est à la boisson que je le dois. Si je suis gras et rouge, c'est la boisson. Si je cours les filles, si je triche, c'est la boisson. Si je bois, c'est la boisson. Toujours la boisson. Sans elle, je serais encore à Libourne. Pauvre et honteux. Tandis que maintenant... Eh bien, maintenant, je crois que je vais crever. Nicolas. Quoi ? Une dernière grâce. Une grâce ? Tiens-moi la tête. Pourquoi ? Pour vomir. Quand je les ai vus t'abandonner seul, j'ai pas réfléchi. J'ai plongé, j'étais à joint. Qu'est-ce que tu bricoles ? Un radeau. Je m'en vais. Seul ? Oui. C'est pas vrai. Dis. Mais pourquoi tu ferais ça ? T'as pas de raison. Et Sylvie ? Bah quoi, Sylvie ? Tu comprends pas que je suis fou ? À la pensée qu'elle est livrée à ces brutes ? Pourquoi n'es-tu pas resté avec elle ? Bah et toi, si tu l'aimes tant, pourquoi t'as pas accepté la proposition du borgne ? C'était le meilleur moyen de la protéger ? Bah, t'es complètement abruti. Je discute pas avec toi. Ah, bah c'est gentil. Pour un homme qui vient de retrouver sur une épave. Je t'ai rien demandé, moi. Mais enfin, c'est vrai, ça. T'es toujours là, te mêler de mes affaires. De quel droit ? Écoute, Nicolas. Mais allez, fous le camp, je veux plus te voir. Eh bien, tu m'écouteras quand même, ça suffit comme ça. Tu en as assez. Mais moi aussi, figure-toi. Le Nicolas de Courcy que j'en ai. Mais allons vraiment par-dessus la tête. Ses amours, ses principes, ses sermons... Lâche-moi ! Non ! Tu es toujours là à prendre des pauses, c'est très joli. Mais si j'étais pas derrière pour rattraper tes fautes, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus de notre beau jeune homme. J'ai toujours vécu sans toi. Qui t'a tiré de la tour ? Une évasion truquée avec la bénédiction du gouverneur. Et cela ? Si je leur avais pas dit que t'étais pilote ? Ce qui m'a valu 50 coups de fouet. Mais ça vaut mieux que de passer par-dessus bord. Tu n'es qu'un coupeur de bourse. Juste capable de petites choses de rien. Un inutile. Ah, tu crois ça ? Et Cayret ? Qui t'en a débarrassé ? Les pirates, il est mort en combattant. Non. C'est moi qui l'ai tué. Répète. Il allait te tirer dans le dos. Ça, si tu permets, j'en douterai toujours. Mais doute-en si tu veux. Mais profite de la leçon. Quelle leçon ? Nous sommes dans la jungle. Tu apprendras que devant un fauve, faut jamais faire un geste brusque ou crier trop fort. Cayret a fait l'un et l'autre. Tant pis pour lui. Tu me dégoûtes. Et toi, tu es trop bête. Je vais encore te dire autre chose. Sylvie, c'est toi qui l'as perdue. Quand elle a vu qu'au lieu de courir au plus pressé et de sauver ta peau, tu restais empêtré dans tes chimères, elle a cessé de croire en toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, j'ai eu tout le temps de l'apprécier avant de quitter le bateau.
Elle était en train de discuter sa rançon. Et j'aime entendre dire qu'elle savait trouver les arguments. Les pirates en étaient subjugués. Malheureusement, cette Sylvie-là, même si tu la retrouves un jour, elle ne voudra plus de toi. Tu me crois pas? Je sais que je te fais mal, mais je le regrette pas. Quand j'étais môme, je me promenais souvent avec un vieil homme qui adorait les bêtes. Chaque fois qu'il en voyait une, il lui jetait des pierres. Pour la rendre craintive, disait-il. Il avait raison. C'était le meilleur service à leur rendre. Je resterai tel que je suis. Changer, c'est se détruire. Alors, mais détrompe-toi. Désormais, je marcherai les yeux ouverts. Regarde, le vent se lève. Il souffle de l'ouest, vers l'Amérique. La liberté. Il regrettait la terre, mais tous les jours, leur grand amour s'est